j'ai pensé pour faire une introduction en fraction. Là, vous avez un caractère. Un demi-carac, comment vous le coupez ? Madame, comme ça. Une personne. Comme ça. C'est moi. Vas-y. Exact. Quoi, mec ? Je te tape ? Quoi ? Moi, je suis en droit. T'as fait bismillah quand t'as coupé ? Oh, merde. Oh, j'ai fait un cœur. Il y a pas un cœur, mais... Ah, j'ai fait un cœur. Mec, que tu as coupé ta tête, mec. Oh. C'est bon, arrête. Quoi, pas bien. Là, ça prend ça. Ensuite, alors donnez-moi un peu. Tu écris une demi, un demi ici, en fraction. On a une part. Donnez à moi. C'est à moi. Là, c'est une part. Bah, donnez-moi un petit peu, madame. Sur deux parts. Est-ce qu'il a vraiment bien partagé au milieu ? Non. Là, maintenant, un tiers, est-ce qu'on arriverait à le faire ? Réfléchis avant. Mais j'ai trouvé, madame. C'est pas possible, on peut plus le couper en tiers parce qu'on l'a déjà coupé en demi. Par contre, on peut le couper. En quart. Je sais en quart. Quart. Vas-y. Je savais moi. Fais-le bien. Quart. Attends. C'est petit. Ce que tu peux faire, Yann, tu peux écrire un quart et un tiers en fraction. Oh, c'est dur. Denis, je coupe ma vie là. Un tiers, c'est une part sur trois. Et un quart. Un quart. Un quart, c'est un quart. Bah oui, j'ai coupé le quart. Mais il est où le quart ? Là, le quart. Là, c'est un quart. Ça, c'est un quart. C'est une tranche par rapport à quatre tranches. Pour couper en huitième. Ça, c'est un huitième. C'est-à-dire que c'est une tranche par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tranches en tout. C'est pas hyper régulier. Parce que vous n'avez pas coupé d'une manière très régulière. Mais c'est possible de le faire de manière régulière. Avant de manger ça, comment vous écrivez 2 tiers ici ? Regardez, on mange comme ça. Non. Je voulais jouer comment on mange. 2 tiers. Je sais, madame. C'est 2 sur combien ? 2 sur 3. Très bien. Maintenant, 2 huitièmes, Nyomza. Je sais. Comment t'écris ? Non, demande à Nyomza. Je sais pas. 2 et 8. 2-8. 2. Dégage, mais viens, je te tape. Est-ce que tu peux me montrer ce que c'est 2 huitièmes sur le gars ? Ça serait 2 tranches, ça serait 2 huitièmes. 1 huitième c'est une tranche, 2 tranches ça fait 2 huitièmes. Écoute, si tu me déranges, t'en auras pas du tout de tranche. Pour répondre à votre question et vous en aller avec votre tranche, il va falloir tout ce que vous répondiez à une question. Ok, allez, premier. 1 huitième de 20, ça fait combien ? 2. Non, mais 3. Réfléchis avant de parler. 5. 10. 1 huitième 3. De 20. 4. 7,2. Vous levez la main. Madame. 7,2. 7,2. Non. Madame, je sais. 20, 10. 17,5. Madame, comment vous faites ? 1,5, madame. Comment vous faites ? Madame. Le calcul. 1 huitième de 20. Imaginez que le gâteau, ça vaut 20, par exemple 20 grammes. Combien vaut chaque tranche ? Combien de grammes ? 20 grammes. 5 grammes. 1, 8. Ah, 2,5. Comment t'as fait ? Ouais, mais c'est juste, mais t'as fait comment ? Mais c'est ce que j'ai dit depuis longtemps ! C'est la moitié, allez, t'as fait quoi comme calcul ? Et Denis, tu peux pas. Quelle opération ? Ah, ça, je sais pas. Tu sais pas, t'as dit au hasard. Ouais. Il a dû faire 20, qui est 20 grammes. Ah, madame ! Divisé par 8. Oh ! Ouais, c'est 2,5. Il a rien attendu. Parce qu'on fait 20 divisé par 2, ça fait 10. Divisé par 2 encore, ça fait 5. Et encore divisé par 2, ça fait 2,5. Très bien.
Qu'est-ce qui reste ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pas. Six tiers. Non. 3 tirés du bas 6. Non, 3, madame, 3 tiers. Non, il reste quoi là? Pour la prochaine part. Ça, ça. Non, il reste quoi là? Il reste ça. Mais après 6. Il reste 6 quoi? 1 là. 6,8. 8ème. 6,8ème. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit 6 tirés du bas. C'est moi hein. Non, c'est moi. Attendez, il y a ce bout là. Yemza, tu me donnes ta part. 8ème. 2. Elle est cassée, elle monte ça au doigt. 56. Surtout la tâche à Antonio. Un huitième de 56. 23. Non, mais comment tu fais ça? Là, vous avez fait quoi? T'as fait 20, 10, 8 fois 7, 8. C'est 7. Voilà, pourquoi 8 fois 7. Ok, bien, Jemima. Ouais, mais attends, laisse quand même aux autres. Non, elle a dit non, non, non. Elle a eu, madame. Non, parce que tu veux pas le manger, donc oui. On va le garder pour les non, autres. Non, elle a dit non, madame. Non, parce qu'après, non, m'a donné, mais... vous n'allez pas réfléchir. Je veux que tout le monde réfléchisse. Vous abusez, madame, là, non. Après, tu tiendras la vidéo. Moi, madame, je vais se goûter, puis si j'aime pas, je n'en ai pas. Voilà, après, tenez-la. Tu veux maintenant? Je suis là. Oui. Non, maintenant. C'est bon. Oui, maintenant, elle a dit. Mais après, ça va faire les histoires. Avant, ça fait les histoires. On finit les calculs. Non, donnez. Je veux que vous ayez compris. Mais je vais. Qui c'est qui veut encore une tranche de gâteau? Moi. Mais moi, j'ai pas. Alors, là, ils ont eu. Un huitième. Mais en fait, je veux la plus grosse part. De 80. C'est ma crache. Réfléchis. Regarde. Là, il faut 20. 10. Ouais, bien. Quel bon, j'ai mis ma Yann. Non, moi, j'ai envie que tout le monde ait une part. Mais j'ai envie qu'ils comprennent. Regarde. Tu fais 20, tu fais le tout divisé par 8. Donc là, tu fais 20 divisé par 8, ça fait 2,5. 64 divisé par 8, ça fait 8, parce que 8 fois 8, 64. 8 fois 2,5 est égal à 20. Bah, si je te dis un huitième de 88, laissez-le répondre. Madame, je ne la commande pas. Mais... un huitième de 84. Pourquoi 15? Mais dis pas des chiffres hasard. Je sais pas, je n'ai pas compris. 88 divisé par 8. Vas-y, prends un demi, c'est 2,5.